L'hebdomadaire Conseil des ministres est tenu ce 24 février 2016 à Ouagadougou. Parmi les mesures importantes prises figure la convocation du corps électoral pour l'élection municipale du 22 mai prochain. Vous savez que les élections doivent se tenir le 22 mai. Ce décret est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre de tout le processus par la CENI. Il était également question de l'adoption du décret portant organisation et fonctionnement du fichier national du registre du commerce et du crédit mobilier. C'est une obligation qui nous est faite par les institutions sous les gens dans lesquelles nous travaillons, afin donc de permettre un certain nombre de mises à niveau de notre système. Les activités des ONG et associations de développement qui travaillent au Burkina Faso ont aussi fait l'objet d'un rapport en Conseil des ministres. On s'est rendu compte que certaines n'étaient pas reconnues par le ministère. On s'est rendu compte que un certain nombre d'actions qui étaient menées étaient attribuées à des personnes plutôt qu'à ces ONG et à ces associations-là. Donc le gouvernement instruit les ministres en charge de ces questions-là de mettre en place des cadres afin de mieux encadrer le travail de ces ONG et de ces associations-là, mais surtout également de mieux valoriser le potentiel des différentes régions par rapport aux besoins spécifiques, afin qu'on ne retrouve pas ces ONG-là et ces associations-là dans des secteurs où forcément, un, qui ne correspondent pas au programme de développement mis en œuvre par le président, et deuxièmement, qui ne couvrent pas des zones qui ont effectivement le besoin exprimé au niveau des populations. La question des infrastructures n'a pas été occultée lors du présent Conseil des ministres. Il y a l'adoption donc d'un rapport qui porte sur ce qu'on appelle la remise à niveau des infrastructures, notamment au niveau des routes classées, à la fois pour ce qui est de l'urgence et pour ce qui est de l'entretien périodique. À peu près 18 milliards de francs sont nécessaires pour ce qui est de l'entretien de ces voies-là. Et donc le gouvernement a donné instruction au ministre en charge de la question de faire diligence et de mettre ça rapidement en œuvre avant donc le lancement de la saison pluvieuse afin d'éviter donc une dégradation accentuée. Il y a dans le même ordre d'idée la création d'un fonds spécial routier burkinabé. Il existait un fonds déjà, ce fonds-là va connaître une certaine mutation pour être dans les fonds de seconde génération qui leur donne donc une plus grande facilité dans le travail mais également une facilité dans la collecte des fonds afin de prendre en compte un financement pérenne de l'entretien du réseau routier dans notre pays. Un autre point important évoqué par les ministres, c'est la prorogation du mandat de l'Assemblée générale des chambres de métiers et d'artisanat. Ce mandat-là devait prendre fin le 5 avril. Le Conseil l'a prorogé au 5 mai 2016 afin donc que puissent se tenir les élections qui doivent se tenir donc le 17 mars et que le délai du 5 mai permette l'installation définitive de cette nouvelle Assemblée générale. Après le ministre de la Communication, le ministre de la Justice, René Bagoro, a évoqué la question de la grève des magistrats. En l'état actuel, le gouvernement ne peut pas prendre des décisions sans une analyse profonde de la situation, sans tenir compte de toutes les revendications qui sont en cours et sans tenir compte des capacités réelles de l'État. Nous venons de sortir d'attentats, rien que le 15 janvier, et tous les efforts, si l'on peut dire la plupart, le gros de nos efforts, est orienté vers la sécurisation du pays. Et c'est une question, à mon avis, qui concerne le Burkinabé jusqu'au plus profond de notre nation, de sorte que nous pensons qu'il ne nous paraît pas opportun, en l'état actuel, que pendant que nous sommes en train de nous battre, mettre tous les efforts nécessaires pour sécuriser notre pays, des gens puissent émettre des revendications catégorielles, quelles que soient leurs légitimités. Et donc l'appel que j'ai à lancer, c'est de dire toujours, le gouvernement ne refuse pas la négociation, est prêt à entrer en négociation tout de suite avec eux, mais nous ne pouvons pas prendre de décision, quelle que soit la pression qui nous est faite, parce que nous voulons être réalistes avec nous-mêmes. Pour le premier responsable du département de la justice, la loi sera appliquée si les magistrats n'assuraient pas le service minimum pendant la durée de leur grève.